Et salut tout le monde, c'est Diablax, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de American Fugitive, la suite du let's play de découverte de la fois précédente. En espérant que la qualité soit au rendez-vous, j'ai modifié quelques paramètres sur OBS, fait quelques modifications de l'interface de l'overlay. C'est un peu plus épuré. Votre plus grand plaisir, on est parti sur American Fugitive, c'est parti, on va jouer. Une petite session d'une heure là. Donc il est 5h15, 5h15, ouais, on est vendredi 24 janvier. 18h, ce serait bien. On est bien progressé sur le jeu. Alors, astuce pour entrer dans les fins de bel rendez-vous. Donc oui, j'ai continué à la manette. Hein. Donc, je m'étais arrêté ici. On avait collecté pas mal de thunes avec la course, on l'a effectué. J'ai récupéré pas mal de stuff. J'ai ramassé les champignons. Puis voilà, j'ai remarqué qu'on avait quand même une capacité limitée sur le sac, avec 25 kg actuellement, mais qu'on pouvait par la suite, avec l'argent qu'on a récolté, améliorer son inventaire. Donc j'avais déjà fait une fois. Là j'ai récolté pas mal de thunes avec les courses qu'on a effectuées la dernière fois. Peut-être cette possibilité que je vais ajouter peut-être autre chose. Je vois un petit peu les points de compétences qu'on a. Donc oui, c'est un jeu en solo pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que je me suis un petit peu renseigné sur le jeu. J'imagine que s'il y a de l'engouement sur le jeu, on est sorti il y a moins d'un an, le 25 mai. C'est fait par un petit studio indépendant, c'est Fallen Tree Games. C'est un studio UK. United Kingdom, donc d'Angleterre. C'est édité par Curve Digitals. Voilà. Et donc c'est un jeu d'action, aventure, tir, conduite, vu à la première personne, vu de dessus, sandbox. Bref, c'est un jeu un peu melting pot, mais qui rassemble pas mal de genres qui sont similaires au premier GTA, au premier et deuxième GTA. Surtout GTA London, je pense qu'il s'est inspiré surtout. Dans les mécanismes et tout ça, en ajoutant des voilà, petites touches d'amélioration, tout ça. Donc la carte fait pencher surtout à GTA Chinatown Wars, pour ceux qui ont joué au jeu sur DS. Moi je ne l'ai pas fait, mais j'ai quand même vu quelques vidéos pour m'enseigner sur le jeu. Et la carte fait vraiment penser un peu à ça, au niveau de la couleur, tout ça. Bon après, voilà, là le fait que ça soit flou, ça fait un peu penser aussi à GTA V. Niveau de l'interface de la carte, c'est dommage qu'on ait accès à toute la carte visible depuis le début du jeu. Ça aurait été bien que tout soit flou et qu'on découvre à peu près un peu au fur et à mesure, comme c'était le cas sur GTA V. Hein. Mais j'imagine que vu qu'il y a du flou, peut-être dans un futur, si le jeu est continuellement mis à jour, qu'il y a un DLC qui arrive avec une. Un ajout de map, je sais pas, peut-être une autre contrée, une autre région, peut-être un American Fugitive 2, je ne sais pas, mais ce jeu a un bon potentiel. Voilà, donc on va continuer, hein. On va pas tergiverser. Donc oui, il y a la stamina avec la touche A pour courir, Y c'est pour les actions, X je sais plus, B c'est pour se... ok, juste se coucher. On peut juste la couper, on peut pas se coucher. On peut pas ramper. Je peux m'équiper de briques et de broc. Donc là j'ai deux points. C'est quoi ces points? Ah, c'est des courses, ça c'est des chronos. On va en faire une. Entre la montre. Hey, utilise mon beau pick-up rose pour foncer à la carrière et reviens de Dardar. Ok, baby. Donc 1-0-9 pour faire médaille d'or. C'est parti, donc le pick-up. Donc la conduite dans ce jeu. S'habituer. Alors, donc il fallait rejoindre le point. Là, c'est c'est de la courbe d'orientation. J'aime bien ça, moi. J'aime bien ça. Ça on m'appelle les premiers nightclubs. Les Little Madness aussi. Il n'y avait pas les courses. C'était l'idée. Donc là, voilà, je suis plus simple. Donc là, il faut aller à la carrière. J'imagine qu'il y a quand même un chemin de fer qui rejoint la carrière, peut-être. Voilà. Ça déjà les rochers. On entend, c'est là. Ok. Ah,
puis il faudra revenir pour, voilà, en moins de 30 secondes, là. 5 secondes. Alors, j'ai boost. Si j'y trouve, après ça surchauffe, ça merde, j'ai tué quelqu'un. Ouais, on va devoir la recommencer, hein, parce que là, la route. Je ne veux pas connaître. Hein. Par rapport à l'épisode numéro 1, j'ai laissé le son du jeu, hein. Il était assez fort et on m'entendait pas trop. Ah ouais, mais ça crame carrément le véhicule là. Bon bah d'accord, bien joué hein. J'ai fait le bronze, on va essayer de tenter l'or. Ça c'est une mission secondaire, mais si on peut ramasser la thune. Progression, si vous êtes arrêté ou tué, il va passer à côté d'un tuyau d'évacuation. Ah, comme c'était le cas au tout début, genre premier épisode, lors de l'évasion de la prison. Vous perdez les objets dans votre inventaire, logique, et vous conservez votre progression et votre argent. Ah, ah c'est important. Noter. Il y a aussi des sauts, oh, ça reprend quand même GTA, hein. C'est vraiment inspiré de GTA, tout ce que je dis dans la page de magasin sur Steam. Je suis vraiment inspiré des premiers GTA. Il y avait quand même une patte. Une patte propre au studio quoi. Bon, je suis un peu mieux là. Je suis la route. Après la map, ouais, je peux l'afficher. Donc on est là. Yes. Donc, de toute façon, oui, il va falloir couper. Allez là, tac. Si je fais demi-tour, faut remonter. Ça passe dessous. Quoi ça? Magasin de voiture, non? Là, il y a des icônes, elles sont pas affichées. Ah non, c'est une voiture à vente, ça, c'est non? Ouais, vente de voiture. Concession automatique, lui, en plus affiché, je suis con. Je suis quand? C'est ce logo là qui n'était pas affiché, je sais pas ce que c'est ça. C'est pas affiché dans les trucs. Voilà quand même, hein, mais ça c'était pas affiché. Ouais, c'est pas affiché dans la légende. Bref. Hein. Ouais, pas bon, pas ouais. Je me mens trop, la voiture surchauffe et elle peut exploser. C'est pas mal ça. Ça c'est une idée originale ça. Je me sens pas avoir vu dans d'autres jeux. J'ai fait le truc, utiliser le boost à. Ça l'a fait exploser. Ce jeu sur Steam, enfin sur Twitch, ça tire pas vraiment des foules. Bon, après là je stream, il est 5h30. Ouais. J'ai quand même fait un peu de pub, mais bon, que j'ai fait 40 minutes de pré-live, configurer un peu les OBS. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ah, il y avait le train. Bon, on va pas faire que ça, tant pis, je reprendrai plus tard. J'imagine que le. Ouais, là il fait nuit donc il n'y a plus le. Ah si, on peut remonter là quand même. En visite au contact pour des missions, oui. Mais on va se balader un peu quand même. Hop, je sais qu'on peut escalier avec A. Donc là on a. Peut-être sur garage. Tiens, on va pouvoir vendre un peu notre merdier. Voilà. J'aime chez Riz, prêteur sur gage. Vous offre le meilleur prix en ville, produit de l'heure non désiré. Tac, 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 tac. Là, j'ai déjà 1142 $. C'est une belle somme. Hein. Du coup, avec cet argent, du coup, on peut soit acheter des véhicules, des armes, tout ça, et aussi des améliorations. Donc, des améliorations, module de santé, hop, plus de vie. Acheter des fournitures utiles à proximité lorsque vous allez passer pour la tuyau.
ça c'est quand on est mort. On a les chances de braquer une maison ou une boutique avec succès, oui. Ah, j'ai pas assez de points. Ah oui, il y a aussi une notion de points de compétence à obtenir et à appliquer. Donc ok, dès qu'on l'améliore, ouais, il doit y avoir plus de points de compétence. Donc là, il n'y a pas que l'argent qui compte, faut aussi progresser dans le jeu, c'est pas mal ça. C'est pas un pay to, to fast le win. On a les chances de maîtriser et d'accuser quelqu'un dans une maison ou une boutique. Il est pris en boutique. Ouais, ça. Et du coup là j'ai plus de points de compétence, mais je regarde un peu. Chance de se taper une maison avec tu sais, ça c'est pas mal. Ça c'est au niveau du repérage aussi. Quand on entre dans une propriété. Ok, ah ouais, il y a une statistique qui fait que on augmente les chances de maîtriser quand une maison ouais, quand il y a quelqu'un, mais si la maison est vide. Parquer une maison, ouais, c'est ça le braquage. Une maison, une boutique, mais ça c'est s'il y a des gens. S'il y a des gens avec l'armement. Le sprint consomme moins d'endurance, oui, régénère lentement la santé. Désarmer un adversaire avec une attaque de bébé. Pareil votre voiture. Votre véhicule subi, bah, c'est pas mal, pas mal de points. Automatiquement les bâtiments lorsque vous en approchez. Ah, c'est pas mal ça. Ça coûte cher et ça fait 8 points, mais c'est vraiment pas mal. Commencer le jeu avec un lecteur de métaux. Encore mieux. Commencer la partie. Ça, on peut recommencer la partie après, on peut refaire ça. Il y aura un new game plus avec tout ce qu'on a obtenu. On va refaire la partie en mode plus difficile. Elle a des soucis. Hein. Je fais sa caisse. J'ai l'impression qu'on est au. Après, au niveau de la. Je sais pas si on est vraiment aux États-Unis, je pense plus quand même. On va être aux States quand même. Je pensais peut-être en Australie, comme Revet, mais non. La voiture me fait penser plus à une Skyline. Hein. Ouais, c'est une Skyline en fait. Skyline GT 2000. GTR 2000. On va dire ouais 71 ouais ouais et je peux pas utiliser les trous, il n'y en a pas. Sur le rocher, je comprends pas où il va nous faire passer que ce soit. C'est par-dessus la. Je vais me faire. Quand il y a le train qui arrive, on va faire dessus. C'était par-dessus. Ah, c'est pas mal là. Pas mal de couleur là. Il fait nuit. L'aspect néon. On va faire la mission, hein. Ouais, on va faire la première mission quand même. La deuxième, du coup. Je suis bordel.
J'arrive. Je regarde un panneau. La voiture commence à fumer. Moi j'en ai pas de. Je vois pas que la voiture la tête de nous. Alors, une autre faveur rapide. J'ai quelques preuves à détruire à notre véhicule, en l'occurrence. À quoi servait-il? Mon cousin et moi l'avions utilisé quelques aimes pour frapper des McCoy. Je ne pensais pas qu'il ait acheté la voiture, mais maintenant que j'entends lui dire qu'il en avait après elle, alors il faut que je parte. Le véhicule l'amène dans la cour. Des fois, il y a des incohérences dans l'introduction. De elle, elle parle de elle, c'est qui c'est la petite amie de nous là, je sais pas. Je me remets dans l'histoire. Alors, voilà bien. Retrouver la voiture du crime, voilà la voiture du crime. Donc sans voilà, il y a un point de compétence. Bon, la bagnole est HS là, mais je pourrais quand même continuer d'utiliser. J'ai piqué sur un parking. Ah, mes copains. RCPD. RC. RC. Voilà, attends, je suis sur la ville là. RC. Raccoon City, je crois que c'est ça, non? Il me semble que c'était Raccoon. J'ai mis derrière pour la gauche. C'est la même mais en bleu. Il y a une variété au niveau des véhicules aussi. Bon, on va faire 36 000 différents. Allez, bouge là. World Rage. Ah, c'est ça que servait le truc de voyeur qu'on a utilisé dans le premier épisode. Ok, il me semblait bien, de toute façon je l'avais dit en plus. Hein. J'avais dit que je sentais la mission où il fallait voyer une voiture. Alors, ah. Hop, donc ça rentre tout seul. Hein. Ça aurait pu être B hein, pour descendre dans la rue. Ah, j'ai une quête. Ah, mais c'est ça le. Ok. La petite icône, c'est ça en fait, c'est la grue. Sur la minimap. Sur la carte, icône là, c'est la grue en fait. Elle est pas dans la liste, mais c'est. Ok. J'ai encore rien trouvé dans le bizarre.
par rapport à la bizarre, ouais. La voiture du crime. De notre crime. Enfin, plus trop. Verrouillé. On va checker, regardez un peu. Il y a quelqu'un dans la caravane. Occupé. On est derrière. Alerte. Ouais, chaque fois que je rentre, ça crée une alerte, hein. C'est chiant ça. Fouille la caravane. Ouais, la police, les filles sont là. Vous êtes en état d'arrestation, et merde. Et merde, oh merde, et merde, oh merde. Busted. Ah, mais non! J'ai réussi à m'échapper. Non, non. Si j'étais busted, mais non, ils vont pas passer une minute. Cours, 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 cours. Ah, j'ai fait shooter. J'ai pas de flingue, moi. C'est pas que j'ai de flingue, ouais. Je vais prendre une batte à la limite. Aïe, 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 aïe. Je l'ai bien fait quand même, hein. C'est plus caché. Hop. La boutique. Je vais soit la braquer, soit. Est-ce qu'il est dans... Ah, mais j'en ai déjà des trucs là. Je check mon inventaire. Hop. Ah mais non, mais là je me déshabille là. Différents trapoils. Bonjour. Oui, il y a marqué 2. J'en achète 2 en fait. Il faut être niveau 2, je sais pas. Ah, parce qu'il y a deux... Bon, j'ai pensé $1 pour ça. Ça en fait, je peux pas les... soit les porter, soit les... Ouais. Je vais les stocker dans l'inventaire. Peut-être qu'après on aura une piole pour pouvoir stocker nos fringues et tout. Le jeu est très bien, hein, franchement. Impeccable. Bonne découverte ça. Si vous voulez vous le prendre, il y a 6€ sur Instant Gaming avec mon lien filé. 6€ sur Instant Gaming, je crois qu'il y a 10 ou 15€ sur Steam. Non, 7€, un truc comme ça. Yo BG, salut Vortex, comment tu vas? Merci hein, pour ton aide. J'irai check après le Discord là, si tu m'as envoyé un message. Tranquille. Non, je m'ai pas envoyé un message parce que tout à l'heure tu m'as contacté par rapport à quelque chose. Par rapport à mes logos, des images que je t'ai envoyé. Bon, je cours, je cours, je cours. Là, ouais, il faut que je. Dans l'inventaire, qu'est-ce que j'ai? Inventaire. J'ai une pomme. Non. 4, ah ouais, c'est le nombre de trucs, ok, c'est cumulable. Ça, j'ai ça, bon. Casse de douane, cache pour voiture, tout est marre. Yep, t'inquiète, TKT, t'inquiète. Tranquille. Je t'envoie une ensemble entreprise. Après, mais bon. Je vais checker ça après. Ouais, ça fait 20 minutes qu'on est en live, enfin 30 minutes qu'on est en live, ça fait une session de 20 minutes. Encore 20 minutes, hein. On va faire notre un ou deux autres. Manger des œufs, oui. Hop, manger des œufs. Bouteille, tac.
C'est un truc qui me régénère en mode. Ouais, je suis full life. Full life, c'est bien, un petit aspect RPG là. Je vais bien. Je vais très très bien. Bon, par contre, oui, au niveau des points de compétence. Attends, à chaque fois je fais start alors que c'est select. Points de compétence, amélioration, on va essayer de. Ah ouais, mais là j'ai pas assez. Pour 3 points de compétence. Pour les bracos. Ça c'est les bracos. Ouais, c'est braquage boutique maison, mais. Y'a pas un truc pour éviter de se faire opérer par les flics. Hein. Bon, c'est quoi le but du jeu? Bah, c'est comme un. Je sais pas si t'as joué aux anciens, les vieux GTA. Putain, c'est vrai qu'il fait sombre aussi là. Hein. T'as allumé. J'ai remarqué sur le retour. C'est assombri là, c'est vrai qu'il y a un. J'étais censé stream ça à 11h. Ah, à midi. À base c'était midi. J'en ai commencé à 5h. Voilà. C'est les anciens. Je sais pas si t'as joué aux anciens GTA. C'est un peu pareil, Vortex. Ça reprend un peu les anciens GTA. Une de dessus. Hop, j'ai commencé avec GTA et ça. Ah. Faut que je regarde les VOD alors. Les VOD de GTA 2 surtout. Le 1, il a quand même trop vieilli, je trouve. Le 2, c'est bien ce qu'ils ont. Il y a une petite. Artistique en 2D mais dessiné un peu 2D 3D qui rend le jeu pas si moche que ça même s'il est vieux. GTA 2 il est pas mal. On y rejouera, on continuera le let's play. Oui, ce que je voulais acheter là avec le point de compétence que j'ai c'est on est déjà en train d'attaquer avec ceci quelqu'un dans une maison. Comment ça s'est attaqué? On va prendre ça quand même, la maîtrise de quelqu'un si jamais. Là on joue un gangster, on s'est échappé de la prison du comté et on est fugitif et on est américain, donc American fugitif. Voilà. Donc là ouais, je vais revenir. Donc ouais, Riley, donc, nous on s'appelle Riley. On a été jugé coupable parce qu'apparemment on s'est fait capturer. Enfin, faut suivre le premier épisode. Je l'ai balancé en plus en VOD dans le truc. Le premier épisode fait 45 minutes, voilà, tu regardes, t'as plus d'infos. Là, pour résumer, simple et efficace. Ouais, mais j'étais déjà vu jouer à GTA 2, donc je comprends la caméra, le but c'est quoi? Bah, c'est un peu comme le GTA 2, en fait là c'est une histoire de vengeance. Le scénario c'est une histoire de vengeance. Voilà, un homme du coin assassiné, son fils arrêté, voilà. Ils croient que j'ai buté mon père, alors que non. On cherche l'assassin de notre père. Et du coup, bah c'est comme GTA San Andreas. Tu vas te faire du répu, tu vas monter en grade, tu vois. Dominer la street. Mais je crois pas, non, je crois pas qu'il y ait une histoire de gang quand même. Donc là on a notre pote, notre pote de la casse, la Dwayne. Il nous refourque quelques missions. Donc là on a une bagnole qui a servi pour un casse. Une file de l'argent et un peu de points d'XP. Des points de compétences, on n'a pas d'expérience, c'est des points de compétences qu'on obtient pour améliorer notre personnage via les. Les améliorations, c'est pas mal ça. Ça c'est un bon feature. Donc la carte, voilà. Bon, la carte fait vraiment penser à GTA Shine Night and War sur DS. C'est le seul GTA qui est sorti sur Nintendo, je crois. J'ai jamais joué, mais la carte, j'ai vu quelques vidéos dessus et ça ressemble un peu au niveau graphique. La légende de la carte. Ensuite, dans le journal, dans les stats. Donc pour l'instant, le jeu, bon. Je pense qu'il y a quand même de quoi faire, mais il n'est pas non plus énorme pour un jeu indépendant. Mais moi je soutiens. Je soutiens le jeu là. J'irai checker un petit peu si c'est un site internet. Ou... Je crois qu'ils ont une page Facebook, j'ai follow. Un compte Twitter. Et le studio qui a fait ça, ils ont fait d'autres jeux. Donc, surtout avec les promos là. Juste coûte, je crois qu'il coûte 50 centimes votre jeu qu'ils ont fait, mais c'est un jeu de réflexion. Casse-tête, il faudra que je le fasse un jour. C'est pas facile. Bon, c'est là. Là, on peut repérer par la fenêtre s'il y a quelqu'un ou pas. Inoccupé. Donc là, on peut défoncer. Et là, ok. Là, par contre, il n'y a pas de police, c'est rien. Donc là, des entrepôts, là, on peut récupérer les trucs. La tuyauterie. Donc là, j'ai déjà une batte. On peut pas voir le nombre d'utilisation, donc la corde, on va prendre la corde, ouais. Ah ouais, donc là j'ai une capacité, voilà, dans mon sac, là j'ai 25 kg que je peux porter. Comme The Witcher, t'as un certain stock.
T'as qu'à bien jouer Witcher 3. Voilà. Witcher 3, il faudra que je refasse aussi, continue. Un truc là, j'ai laissé en suspens parce que je pars un peu à droite à gauche. Un peu beaucoup même. Donc voilà, j'ai récupéré. Donc après, je peux re-rentrer. La dépendance. Bon, en fait, il est inoccupé le machin. Ok. Bon, je pourrais revenir ici pour récupérer ce qui manque. The Witcher, le mec peut transporter environ 200 kg car c'est un boss. Ouais, mais dans le jeu, regarde. T'as une amélioration pour améliorer la capacité de ton sac, ton inventaire. Et j'imagine qu'après, on va pouvoir squatter quelque part pour laisser notre stock dans une caisse ou quelque chose. C'est là, on peut ramasser du loot, genre ça là. Pistolet. Hop. Je m'en équipe et je le ramasse. Première arme à feu que je trouve, hein, d'ailleurs. Qui a 8 chargeurs et 15 balles, je viens de voir, je peux voir. Donc oui, viser, tirer, recharger, avec RB, ranger arme, changer d'arme. Donc il y a 8 balles et 8 balles sur 15. Ah ouais, c'est 8 balles sur 15, c'est pas 15 chargeurs. Viser. Recharger. J'ai pas visé là. Pas visé. Quand je fais LT, y'a rien. Bon. J'ai évité de me trimballer partout. Donc là, y'a un van à verrouiller. Pas facile. C'est vrai qu'il y a de buis là. Un mardillo. Une balle en moins maintenant. Une balle en moins. Ouais, mais ça se trouve des balles. Non, à part The Witcher, je joue à quoi en ce moment? Trackmania, ça te gonfle ou. J'ai envie de faire des compétitions. Les filles te connaissent. Ils connaissent pas. Bah, ils sont un peu cons, les filles. Hein. J'avais pas. Non. Là, en fait, je suis mis recherché, on va dire. Mais vu que j'ai changé de vêtements, il y a quand même une certaine voie. De base, j'ai pas ces vêtements là, je me suis échappé d'une prison dans l'épisode 1. Ça, par contre, je crois que j'ai fait. Ouais, j'ai tout fait là-dessus. Ça, c'est des contre-la-montre, donc il y a quand même des activités annexes. D'ailleurs, je sais pas qui c'est elle. Hein. La révèle, donc là, j'ai fait ça, j'ai fait, mais du coup, si je la refais, ça me. En or, je gagne 500 balles. Vu que j'ai déjà fait. Ça a vite fait mais sans plus, je joue un peu à CSGO aussi, voilà. Ok. Tu joues plus gros ou t'as plus le temps peut-être? T'as tes études, tout ça. Quoi t'as en seconde en première? T'as rien? Je sais plus. Deux. Je vois d'un peu aussi hein. Histoire de familiariser avec la map. Pour un petit peu où je peux aller. On va retourner voir Dwayne hein, du coup. Hein. On a joué son quad. Voilà, hop. D'ailleurs je vais tester là, ça. La remorque là. Est-ce qu'elle marche vraiment? Et oui, putain c'est bien ça. Faut remorquer. J'imagine qu'on aura une mission avec. Des missions avec ça, c'est pas mal ça. Je sais que c'est un fusil à pompe. Alors, oui, dans la barre de truc là. On va voir. Dans l'inventaire. C'est vraiment chaque outil, voilà, il y a une utilisation de 2 sur 4. Le maximum c'est 4, c'est-à-dire il reste 2 utilisations restantes. Après, l'objet se casse. Il disparaît plutôt. Marteau. Moi je pensais que c'était la force de l'objet, mais en fait, bon, c'est le nombre d'utilisation. Donc on a le téléphone. Utiliser concessionnaire à mûrier. Ah, on peut appeler et demander. Donc moi c'est un pistolet. Munition pour pistolet. Hop, je pourrais en acheter avec 22$. SMG.
Ah voilà, les zones, ouais, les zones de la VAF qui j'ai pas encore débloquées, ça me servira à acheter d'autres armes. Donc il n'y en a pas non plus énormément, mais quoi s'amuser quand même. Est-ce qu'il y a pompe, fusil à pompe, SPA, SMG, AK-47, M16, le canoncier, puis ouais, P5. Ok, bon pour l'instant j'ai pas dépensé de thunes. Économiser pour m'acheter une bagnole. Voilà, tu peux utiliser une batte que une. Non mais justement la batte c'est. Je peux. De base c'est 3 fois, je peux l'utiliser, là c'est une sur 3. Il reste une utilisation de la batte. J'ai déjà tapé 2 fois avec, donc elle est déjà abîmée. Là si je tape encore une fois, bah. Bon, sur quelque chose ou quelqu'un. Ah! Ok, je peux détruire les caisses. Je peux détruire les caisses. Il n'y a pas du loot là, pas d'argent. Mais qui va chercher partout, c'est maintenant. Je peux détruire les caisses. Il m'a foutu le jeu quand même. Sorti il y a un an. 25 000. Ah, je peux pas récupérer les billets là. Enfin, je pense pas que ça a des billets, mais. Je casse tout. Dwayne! Dwayne, sors de ta cachette, je sais où t'es. Sors de chez toi là. Ouais, mais c'est un peu con pour une base, je trouve. Il faut vraiment taper un truc fort pour la casser. Il est fou. Ouais, là, du coup, je tape des trucs, ça casse pas pour l'instant. Je teste le jeu pour voir s'il fonctionne bien. Bon, on va suivre, on va continuer la mission, faire cette mission là, et puis après on va s'arrêter pour ce deuxième épisode qui commence à être un peu long. Les Macom aiment vraiment leur voiture, au moins service, elles en sont une. Attends, il est pas content avec les McCoy lui, je sais pas s'il est avec les McCoy. Je rappelle au moins comment cette queue a commencé, on dirait qu'on a bien fait hier. Enfin, je te rappelle qu'un de ces connards t'a envoyé à l'infirmerie. Ah oui, c'est vrai. Très la voiture de Paddy McCoy. McCoy, McCoy, McCormick. Bon, encore 100 et un truc. Et il me refile un pistolet. Pistolet que j'en ai du coup maintenant deux. Un pistolet. Viser. Ah, c'est visé avec ça. Ok, c'est avec le joystick pour le déplacement de la caméra. Viser. Ok, ça fait un viseur. Logique. Bon, on va éviter de se travailler avec ça avec, en ville, enfin en ville. C'est plutôt la campagne. Bon, il faut une bagnole par contre. Une bagnole qui marche. On peut entrer dedans, bon, je pense pas qu'elles vont marcher ceux-là. Il y a une casse, mais il n'y a aucune bagnole là-dedans. Bon, bon. Après, dans mon sac, un petit peu l'inventaire là. J'ai 220. 22 kg sur, sur 25, on va peut-être se débarrasser de trucs trop lourds. Pour ça, j'ai pas l'utilisé. La bouffe, par contre, on va la conserver quand même pour l'instant. Un pied de biche 2 sur 3, 2 sur 3. Quoi la différence entre le léger et le base. Bien que léger, c'est quand même une tige en métal lourde qui peut. Même. Bon, j'ai deux petites biches. Ça fait 5 kilos quand même. Voilà. On va prendre le léger. Une batte. Une clé à molette. 2 sur 4. Ça sert à vendre. Zarcable. C'est bien ça, c'est pour la corde aussi. Rattacher. Scotch. J'ai de quoi faire des kidnappings. Petite voiture aussi avant. Les vroom vroom que vous entendez. Par contre, je remarque qu'il y a. Quoi, il y a plus. Par exemple, il y a plus. Plus 100 en vie, mais il y a un petit truc. Voilà. Il n'y a pas le curseur.
pas le curseur d'affiché, mais voilà, il y a des trucs. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer les armes aussi. L'équipement. Y a moyen de l'améliorer. Donc le maillet, oui, je vais lâcher. C'est ce que j'avais lâché. Je lâche tout mon loot. Il doit être pété. On a un générateur. Comme de porc pourri. Oh, moi il me faut une bagnole. On va aller sur la route là. Hop. Après, à la limite, je pourrais appeler un concessionnaire automobile pour acheter une voiture. On a encore débloqué tout ça. Votre route, bizarre. GTX, ouais. Donc, il n'y a pas vraiment plus énormément de véhicules. Hein. Disponible, fait la mission avant, non? Bah justement pour m'y rendre, faut que j'ai une voiture quand même. On va prendre une Jefferson, je commande. Je vais livrer ma Jefferson. Elle est là, voilà. Détruire la voiture de McCoy, ouais. Bon, ça allait détruire. Elle est là. Ah, tiens, c'est exactement la même. Non. Déplace la mission vu qu'elle est dans la voiture. Oui, je déplace pas. Parce que après on peut faire du. Non, j'ai pas l'impression qu'il puisse tirer. C'est la merde. 3 balles et déjà en feu la bagnole. Elle vient bousiller ça. Ah, il faut la bousiller, faut pas l'exploser. Voilà. Magnifique. Allez, allez. C'est tout, bah ouais, apparemment c'est du tout. Je pensais que ouais, t'as 3 balles de pistolet et bagnole explose. Un peu trop facile le jeu là. C'est tout. Bon, les flics me recherchent, la prochaine mission est là. On va la faire. Allez, je vous mets du rab. C'est parce que j'ai commencé l'épisode, enfin le jeu, 3 heures plus tard. Pareil, là, les épisodes, il va falloir que je les balance sur YouTube en même temps que sur le Discord de Twitch, VOD Twitch. Ça, les gens sur YouTube vont aller regarder aussi. Et genre, mettre un délai quoi. C'est-à-dire que la VOD Twitch elle est disponible maintenant, alors que sur YouTube ça sera une semaine. Histoire de bien faire la miniature, le titre, bien tout trier. Je voulais te poser une question. Cette affaire McCoy, c'est quoi ton problème avec eux? Oh, j'en sais rien, ils pensent qu'ils gèrent cette ville. Ça m'emmerde, tu sais. J'ai eu cette affaire il y a longtemps. Ces fils de pute allaient se lancer dans le business avec moi. Ils m'ont trahi. Ils ont pris toutes les parts du gâteau. Ouais. Ça va être mon plus gros coup, tu vois. Il ne s'agit même plus de ça. Tout ce qu'on s'est fait l'un pour l'autre, je bafouille. Mais bon, ça s'arrêtera. Pas mal expliqué, tu ne peux pas laisser continuer, je n'ai pas le choix, je n'arrive pas.
Est-ce qu'on fait la paix? Ah ouais, il y a des choix aussi, un peu comme la Telltale. Les choix de... Comment on devient? Choix de caractère. Prendre des mesures décisives, apprendre à vivre avec, faire la paix. Vortex, qu'est-ce que t'en penses? Après, si le jeu te plaît, vu tout ce que tu me fournis comme aide et tout, je te le file, hein, si tu veux. 6 € sur Instant Gaming. Ah, ça m'a choisi tout seul. Bon, je suppose qu'on peut rien faire. Peut-être. Lâche-moi un peu, d'accord. Je sais pas, je connais l'histoire. Je sais pas, je connais l'histoire du jeu. Tu connais l'histoire du jeu? Tu ne connais pas l'histoire. Peut-être, lâche-moi un peu, d'accord. J'ai pas besoin des réseaux. Je connais pas. Attends, les flics, faut que je. Toi, c'est juste célébré de Hank McCoy, c'est un flic. Ah, bien sûr, mais regarde avec qui roule, c'est personnel. Wayne, on sait que t'es là. On sait ce que vous avez fait à notre frère. Sors de là ou je te bute. Philippe, Philippe, je sais où tu te caches. Sors de là, enculé. Que vous sortiez ou pas, ça a pas trop d'importance pour nous. On s'est dit ce qu'on devait. Vous devez faire quelque chose, pan. Il nous tire dessus, sans deck, sort de là et riposte. Vainque les McCoy. Oh, le SMG carrément. C'est parti pour le carnage. Désolé Francky, hein, je dois bosser sa bagnole. Hein. Facile le jeu, ouais. Mission accomplie. Moi je l'ai défoncé à combattre. Ça va prendre McCoy, ils pensent qu'ils peuvent bousiller ma crèche, hein. Voilà. Ah, je peux pas récupérer le loot. Ah, c'est un fusil là. Bon bah j'ai une mission de fusil. Je savais pas que c'était notre ville, tu vas pas t'en tirer comme ça. Ah il est pas mort lui. Des clés. Faudrait des clés pour ça. Le hangar, ah je pense que le hangar en fait ça va être notre crèche. Il va nous filer les clés. Bon, il faut les trouver. Par contre, il est un peu facile, ouais. Je sais pas, après dans les options. Jeu. Il n'y a pas de niveau là. Bon, il faut recommencer une partie depuis le début, peut-être. Je sais plus si en commençant le jeu, il te propose la difficulté du jeu. Bon, je vais m'arrêter là. On a bien progressé là. Je continuerai le jeu plus tard. Pas aujourd'hui, parce que je vais faire un peu de Trackmania. Il faudra que je m'entraîne pour la step 3 là, hein, de demain. J'ai envie de performer là, faire top 100, ça serait bien. 366, j'ai fait step 2, step 3, j'ai envie de faire top 100. Top 100, il y a moyen de faire top 100 si je traîne bien les maps, que je les connais bien par cœur, que j'évite de faire un tour
en tapant partout à chaque fois. Donc, yep. Alors, attends, je vais arrêter là, je vais faire une petite pause. Je reviens dans 5 minutes. Merci d'avoir suivi cet épisode. Pour ceux qui m'ont regardé sur la VOD, c'est Diablax. N'hésitez pas à follow, à commenter, à faire des likes, à me retrouver sur les réseaux sociaux, Discord, Twitter, TMTC. Et fais la bise à Vortex aussi de ma part. Ciao, ciao.